Alors que la Turquie est encore sous le choc du double attentat d'octobre à Ankara, le pays a de nouveau été frappé par le terrorisme ce matin en plein cœur d'Istanbul. Nous rejoignons là-bas notre correspondant Bora Bayraktar. Bora, quelles sont les dernières informations? Eh bien, juste après l'attaque, Melis, la police a bouclé tout le quartier. Les enquêteurs sur place viennent de terminer leur travail, qui a duré des heures. Après l'explosion provoquée par le terroriste kamikaze ce matin, j'ai recueilli quelques témoignages. Plusieurs personnes m'ont parlé d'une odeur de poudre très forte dans toute la zone. Ils ont aussi déclaré que la force de la déflagration avait fait trembler le sol. On sait aussi, si l'on en croit d'autres témoignages, que le kamikaze s'est fait sauter tout près d'un groupe de touristes. Les autorités étrangères demandent à leurs ressortissants d'éviter les lieux très touristiques où il y a foule. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance au sein des étrangers qui sont à Istanbul? Eh bien, juste après l'attaque, je me suis rendu sur la place Sultanahmet et j'ai vu beaucoup de touristes qui se promenaient toujours là-bas. C'était presque comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Il y a encore beaucoup de gens sur la place maintenant, mais l'attaque vient d'avoir lieu et peut-être que dans les prochains jours, avec les avertissements qui ont été donnés par les chancelleries étrangères, le nombre de visiteurs arrivant en Turquie va baisser. Cela dit, il faudrait aussi souligner le fait que la menace terroriste est désormais globale. Alors, où que vous alliez, il ne sera pas facile d'échapper complètement et définitivement à cette menace. Parlons enfin de la vigilance des autorités turques et des mesures de sécurité qui ont été mises en place. Une réunion d'urgence du gouvernement a eu lieu. Quelle est la prochaine étape pour le gouvernement ? Melis, comme vous le savez, après les attaques de Suruç qui ont eu lieu en juillet, suivies du double attentat d'Ankara, la Turquie a mis en place des mesures importantes pour restreindre notamment l'entrée de terroristes venus de Syrie. La sécurité des frontières a été renforcée, des systèmes de contrôle électronique des frontières ont été introduits et un système de visa est aussi entré en vigueur. L'attaque d'aujourd'hui a eu lieu juste avant la visite du vice-président américain en Turquie. Alors la Turquie va sans doute renforcer encore sa sécurité diplomatique et demander de l'aide pour son combat contre le terrorisme.